Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, on reçoit le candidat à la présidence du parti COPA Combit pour Haïti, Joseph-Harry Bretou. Monsieur Bretou, bonjour. Bonjour, Monsieur Allen. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices de la radio et télé Métropole. Harry Bretou, vous êtes, je viens de le dire, candidat à la présidence. Vous êtes ingénieur civil de formation, de profession. C'est ça. À part ça, qui est vraiment Harry Bretou? Laissez-moi d'abord, pour le grand public, me présenter, encore une fois. Je suis Harry Bretou, je suis né à Carrefour. Mon père est originaire de Jacmel, ma mère est de Léogane. Je suis marié, j'ai 4 enfants. J'ai étudié le génie civil, donc je suis un ingénieur civil diplômé. J'ai étudié aussi le droit, j'ai étudié les sciences du développement. J'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai une entreprise d'agence maritime au bas de la ville et je suis aussi propriétaire d'une entreprise qui fait de l'immobilier et de la gestion locative. Et surtout, je suis un entrepreneur, un homme qui a un rêve. Le rêve de mettre tous les Haïtiens et les Haïtiennes ensemble pour aller vers le développement. Mmh. Un rêve de grandeur pour Haïti. Mmh. Cela dit, vous œuvrez dans le social. Maintenant, aujourd'hui, vous vous portez candidat à la présidence. Vous rêvez de, si c'est un rêve, bien évidemment. C'est toujours un rêve, il faut commencer par là. Évidemment, la magistrature suprême de l'État. Dans quelle catégorie de candidats doit-on vous ranger? Les inconnus, les peu connus, les populaires, en fait? Il faut une autre catégorie. En fait, je dirais ceux, justement, que la République attend, ce que le peuple attend. Et il est très important, dans la situation d'Haïti actuelle, qu'il y ait de nouvelles têtes, justement, pour venir changer les choses, venir avec une nouvelle vision, une vision loin des antagonismes. Je dis souvent que je veux travailler avec tout le monde, avec toutes les énergies positives pour changer Haïti, pour changer mon pays. Que vous soyez Lavalas, que vous soyez Tête-Calée, du Valieris, de quelque bord que vous soyez, si vous aimez Haïti, si vous pensez au progrès, alors vous êtes prêt pour prendre le train et avancer avec nous. Mmh. D'où vous est venue l'idée de vous porter candidat à la présidence, vous briguez aujourd'hui la magistrature suprême de l'État? Monsieur Allen, cette idée vient d'où? Monsieur Allen, laissez-moi vous dire, le désir de chaque citoyen de participer à la gestion des choses de son pays est tout à fait naturel, tout à fait légitime. Et moi, dès petit, j'ai eu cette lumière, ce rêve dont je parlais tantôt. Et cela a commencé à l'époque où j'allais au Champ de Mars assister à la parade du 18 mai, la parade militaire qui se faisait à l'époque. Et je voyais défiler les officiers, les cadets, les soldats. Et j'en étais très fier. Et je me disais que, comme eux, justement, je voulais me mettre au service de mon pays. Mmh. Et ce sentiment qui se dégageait de fierté, d'honneur, et m'a toujours accompagné toute ma vie. Donc, je n'ai pas été un militaire, mais j'ai toujours pensé que je devais servir mon pays, apporter ma contribution pour changer les choses. Mmh. Et voilà pourquoi aujourd'hui je suis là, je viens, je ne dirais pas en conquérant, mais je viens justement pour me mettre avec les autres, pour changer notre pays. Mmh. Mais est-ce que vous êtes conscient de l'ampleur de la tâche qui attend
un président de la République dans le contexte actuel. Et pourquoi c'est dans ce contexte-là, difficile, comme je viens de le dire, que vous voulez donner corps à ce rêve d'enfant? Laissez-moi vous dire, Monsieur Allen, timing, ça veut dire tout. Le momentum. Le momentum, c'est ça. Et il faut travailler, et j'ai travaillé toute ma vie, justement, pour être là où je suis, capable de venir avec une vision. Je suis un homme de conviction, je suis un homme de caractère, et j'ai beaucoup de détermination. Je veux travailler avec tous les autres, comme j'ai dit, pour changer les choses dans mon pays. Parlant de vision sûre, il y a derrière votre candidature une vision politique qui, je dirais, sert de socle à cette candidature même. Partagez-la en peu de mots avec nous, votre vision politique. Très bien. Nous voulons une Haïti fière, autonome et prospère. Et pour cela, nous allons mettre l'accent sur notre identité nationale. Nous allons mettre l'accent sur la bonne gouvernance. Nous allons mettre l'accent sur la justice sociale. Nous allons mettre l'accent sur la bonne politique économique. Et nous allons mettre l'accent sur le pacte national, un dialogue national pour avoir la paix, pour arriver à la prospérité d'Haïti. Je pense que c'est incontournable aujourd'hui, à ce moment présent. Il faut l'unité des Haïtiens pour avancer. Dans vos énumérations, je retiens l'identité nationale. C'est quoi en fait pour vous l'identité nationale? Il faut que l'Haïtien, le jeune Haïtien, soit conscient de sa place dans la Caraïbe, de sa place dans le monde. Monsieur Allen, vous n'êtes pas sans savoir que Haïti a été la première nation nègre indépendante du monde. Donc, il faut que les Haïtiens qui sont là maintenant, il faut qu'ils sachent qu'ils font partie d'une grande race d'hommes, qu'ils ne sont pas n'importe qui, qu'ils ont une histoire riche derrière eux, qu'il y a la culture, il y a notre culture, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on comprenne justement que Haïti doit retrouver cette fierté. Il faut que Haïti retrouve cette unité pour reprendre son prestige dans le monde. Voilà ce que nous voulons. Voilà ce que nous voulons promouvoir. Alors, nous allons venir sur votre programme quinquennal, votre programme sur 5 ans. Mais juste avant, j'aimerais vous demander quel est votre degré d'appréciation de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la politique avec le Conseil électoral provisoire qui n'inspire pas confiance à certains partis politiques. Bien évidemment, c'est le cas de la fusion, Fanny Lavalas et autres encore, et même des candidats. On a vu les manifestations de rue, il y a d'autres mobilisations qui sont annoncées. Vous-même, en tant que candidat à la présidence, comment vous vivez cette situation? Très mal, je vais vous dire pourquoi. Il y a beaucoup de partis politiques, de leaders politiques qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et ils mettent beaucoup de confusion dans la tête des gens pendant qu'ils sont en train de régler leurs affaires. Regardez, ils sont contre les élections et pourtant ils font campagne. Ils sont contre M. Oppon parce qu'ils n'ont pas gagné aux élections. Ils veulent tout détruire, ils veulent tout chambarder. Ils sont des acteurs en eau trouble. C'est justement ce qu'il faut. Il faut une autre classe d'hommes qui comprennent que la nation est souveraine. La nation est... C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler pour lui donner sa vraie place. Et je ne pourrais me mettre contre les choses qui se font pour mon pays. Les élections se font par les Haïtiens, pour les Haïtiens. Ce ne sont pas les étrangers qui sont venus pour gâcher, pour déranger les élections, ce sont nous-mêmes, les Haïtiens, nos frères et sœurs, qui ont travaillé pour qu'il n'y ait pas d'élections. Et là encore, on parle de mascarade électorale, de coup d'État. Comment pouvez-vous qualifier un processus qui se fait
pour notre pays de mascarade. Ça veut dire que vous participez à la mascarade. Ça veut dire que tous les Haïtiens ne font qu'une mascarade. Moi, je suis vraiment désolé pour ces gens-là. Ils n'ont pas la dimension d'État et il faut que ça change, justement. Il faut des gens qui viennent, qui unissent, qui aient une vision pour Haïti et pour amener ce peuple vers le progrès, vers le développement, vers la prospérité, mettre la paix dans ce pays. Parce que c'est ce qu'il faut, justement, en ce moment. Donc, vous présentez ces acteurs politiques qui réclament l'annulation des élections, la démission, encore le départ du CEP comme des pêcheurs en eau trouble. C'est ça. Cela dit, vous-même, vous gardez confiance, vous avez confiance dans le processus, vous faites confiance au CEP. Je l'ai dit depuis le premier jour, je fais partie du processus. Je ne peux pas venir et chambarder un processus dans lequel je suis partie prenante. Il faut appuyer le processus. Il faut d'abord y croire. Il faut travailler avec ces personnalités du CEP. Et il faut les critiquer, mais objectivement, pour que les élections du 25 octobre qui viennent soient meilleures que ce qui s'est passé le 9 août. Nous devons arriver, parce que le défi, c'est un défi haïtien face au monde entier qui nous regarde, qui se disent, ces Haïtiens-là, qu'est-ce qu'ils veulent en définitive? Et quand on voit que ce sont des leaders, l'élite de ce pays, qui se met contre les choses qui se font pour notre pays, on se demande, mais d'où sont-ils sortis, ces gens-là? Donc, moi, je me porte en faux et j'appuie le CEP, parce que c'est un processus haïtien qui se fait pour les Haïtiens. C'est le seul moyen, avec les élections, de changer le personnel politique pour que Haïti puisse aller vers la paix, vers la prospérité. Vous dites que le défi est haïtien, je n'en disconviens pas, mais admettez avec nous que la communauté internationale pourra avoir contribué à plusieurs millions de dollars dans le processus, nous aide à relever le défi également. Certainement. Non, je parlais... Un défi haïtien, mais qui n'est pas relevé par les Haïtiens. Écoutez, c'est que nous, Haïtiens, nous avons à prouver au monde que nous pouvons nous unir, que nous pouvons créer, faire quelque chose de positif. Et c'est de là que me viennent ces pensées, qu'il faut que nous nous mettions ensemble pour avancer, pour changer les choses dans notre pays, pour notre peuple qui attend, qui a beaucoup souffert. Il y a beaucoup de frustration. Monsieur Allen, je suis actuellement en campagne, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de frustration dans les rues. Lorsque je vais parler aux gens, leur donner espoir, ils sont très frustrés, ils sont désespérés. Donc ça, il faut changer. Il faut venir leur redonner espoir pour avancer avec eux vers le développement. On ne peut pas les laisser. On ne peut pas les laisser pour aller en République dominicaine, se faire humilier, pour aller au Brésil. Donc il faut travailler avec notre peuple. Il faut le soutenir. Il faut que nous fassions notre travail d'élite. Il faut travailler avec notre peuple. Et pour travailler avec le peuple, il faut bien un programme. Nous allons aborder ce chapitre à travers la seconde partie de l'émission. Mais pour l'instant, c'est la pause. On va observer une pause, Monsieur Bretou. Et au retour, comme je viens de le dire, nous allons aborder votre programme quinquennal. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Joseph Harry Bretou, candidat à la présidence. Restez sur Métropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme vous le savez déjà, notre invité ce matin, le candidat à la présidence, Harry Bretou. On l'avait dit avant la pause, on va aborder votre programme quinquennal, ses grandes lignes, vos priorités par domaine ou par secteur. Monsieur Allen, permettez d'abord que je parle de mon parti, de ma plateforme politique, le COPA, Combit pour Haïti, et numéro 26. Et nous avons continué en créole. Il y a plus de monde qui attendait nous là. Il est important pour nous attendre. Ça n'a pas l'air là. On a parlé de programme quinquennal. Son premier ministre qui prend implanter vision président.
c'est par les responsabilités. L'important pour que ça dit. Maintenant qu'on est là, nous gagnons des chantiers qui pourraient mener nous vers ça n'a cherché hein, vers le développement. Et nous identifier très clairement une refondation territoriale, refondation économique, refondation sociale et refondation institutionnelle. Donc, M. Allen, voilà mes quatre grands chantiers que nous allons gagner pour travailler dans le quinquennat noir. Très clairement. Sont les refondations territoriales, là, par exemple. C'est clair. Et il faut que nous aménagions le territoire. Là. Il faut que nous travaillions sur le bassin versant, il faut aménager autour. Il faut que nous rénovions urbain. Il faut que nous refaisons l'électrification continuelle. Et marcher dans le pays, grand pile côté de pagaie électricité, ou réseau routier, il faut que nous travaillions sur lui. Il faut que nous mettions de l'eau, que nous fassions assainissement. Il faut que nous travaillions sur le bagage. Donc, il est important pour que nous mettions infrastructure, nous mettions communication, nous fassions maillage numérique pour le pays. Pour payer pour nous aller profiter de technologies nouvelles. Donc, l'important pour que nous travaillions d'abord sur le territoire. Là. Et puis ensuite, pour nous travailler sur l'économie. Là. Parce que Haïti, le plus gros problème que nous avons, c'est le problème économique que nous avons. Pays trop pauvre. Nous avons un pile pauvreté. Eh bien, il faut que nous allions vers la création de richesses. Nous pourrions venir sur l'économie en soi, mais vous parlez tout de refondation sociale. Est-ce que là, nous devons tendre, on va parler de refondation sociale, de changement de l'homme haïtien, travailler sur l'homme haïtien en soi. Est-ce que c'est certain. Lila, on a parlé de l'éducation civique là. Mais d'abord, il faut commencer par éducation préscolaire, éducation fondamentale, secondaire. Il faut que nous travaillions pour nous mettre enseignement supérieur. Il faut que nous travaillions pour nous mettre enseignement professionnel et technique. C'est extrêmement important pour que justement, par l'éducation, nous capables de sortir Haïti de côté lié. Le prendre qu'un pays qui développé, qui changé, sans que n'y ait pas de travail pour changer l'éducation, pour mettre l'éducation, pour faire mon connaissance, pour faire remettre pays, pour au sens d'appartenance, justement. Donc, il est très important pour que nous travaillions sous solidarité sociale. On nous fait arrêter sur l'éducation. Successeur de Michel Martelly, bon, on fait comme si on est élu déjà. Vous te mettez deal. Successeur de Michel Martelly, ou pral hérité du programme PSUGO. Programme de scolarisation universelle gratuite. Et obligatoire. Un programme qui est très apprécié d'un côté et de l'autre qui décrié, que certains monde pensaient le mériter corriger, etc., au fur et à mesure que l'a avancé. Est-ce que Harry Bretou, arrivé à la magistrature suprême de l'État, a supprimé le programme ça, ou du moins il pourrait le corriger, il pourrait l'approprier le programme ça? Je pense qu'il faut la continuité de l'État. Je pense moi-même que son programme qui méritait que nous revisitions. Garder côté de pas marcher, ranger ça de pas marcher, et faire beaucoup plus que ça. Parce que quand pile côté de pas atterri, justement. Donc, c'est pas le rôle nous-mêmes, en tant que prochain président, de travailler avec ça qu'il a. Mais on connaît, M. Allen, ça qui est important, c'est que nous pas été en place, c'est que nous n'avons pas avancé. Et ça, c'est ça programme ça a gagné de mérite là-dedans, justement. C'est que il voulait aller dans la direction, il voulait changer des choses qui n'ont pas été faites avant. Donc, même s'il n'est pas parfait, mais pour moi, c'est on part dans la bonne direction. Donc, il faut avancer avec, il faut faire avec. Parce que c'est là, justement, que nous allons sortir d'un côté pour nous arriver de l'autre côté. Mais ce n'est pas tout craser, tout chambarder, tout recommencer. Que ce soit candidat à la présidence et même des hommes d'État hein, arrivés au pouvoir, ils parlent en pile de l'éducation en visant le visant fondamental surtout, alors que l'enseignement supérieur
pas vraiment entendu une promotion qu'a fait autour de lui, un programme hein, typique pour l'enseignement supérieur. Harry Bouetou lui-même, est-ce que dans Diakouti, en tant que candidat à la présidence, il a gagné une vision pour l'enseignement universitaire? Tout à fait. Nous allons mettre l'accent sur l'école professionnelle pour nos jeunes qui ne veulent pas diriger vers l'université ou bien qui ne pas capables. Qualifications ont manqué, mais justement, nous pensons que gagner des places pour que gagner en pile l'école professionnelle qui fait ici, ça permet que nous gagnions des corps de métier, nous gagnions des ouvriers qualifiés qui pour venir travailler. Parce que très souvent ici, nous joignons que ce sont des Dominicains, des Philippins qui viennent remplir le job ça. Moi-même, comme ingénieur, je suis capable de dire. Et très souvent, nous n'avons pas gagné des bons électriciens, des bons plombiers. Donc, il faut que nous formions l'école professionnelle ça, pour que nous soyons capables de gagner une catégorie de travailleurs ça, qui pour permettre que nous avancions en Haïti. Longtemps, nous avons fait une éducation pour des élites. Maintenant, il faut aller vers les masses. Mm-hmm. Il faut augmenter l'assiette pour que justement nous créer de l'autre entrepreneur qui vient travailler, qui a une équipe, qui a créé richesse. Et je pense que c'est devoir nous, justement, d'aller dans ce sens-là. Tout à l'heure, tu as parlé de l'économie. Moi, tu es Franck Campo pour nous retourner. Mm-hmm. Souligne beaucoup plus en profondeur, l'économiste Kessner-Farrell le dit souvent, la politique et l'économie sont intimement liées. Et bien avant lui, il y a Jean-Baptiste Colbert, vous le savez, on a appris ça à l'école, qui a dit « Donnez-moi une bonne politique, je vous donnerai une bonne économie ». Je dis à là, nous gagnons plus de 6 millions de pauvres qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. C'est ça, d'après statistiques. D'après statistiques, et même selon le FMI, Haïti comptait aujourd'hui à 70% de chômeurs. Harry Bouetou, président de la République, au pouvoir, au timon des affaires, qui vont pour le faire en sorte pour relancer l'économie haïtienne et favoriser, s'il le faut, et il le faut bien, nous supposons, une croissance à deux chiffres. Baldio, il faut que nous venions payer. Il faut que nous venions payer, nous trouvons fermés sur nous-mêmes. Il faut que nous permettions que nous investissions. Mais très important, pour nous investissement, capital étranger qui a venu, même pour la diaspora, il faut que nous gagnions sécurité, il faut que nous gagnions justice. Donc il faut que nous travaillions sur la loi cadre pour que le cadastre, la sécurité foncière soit respectée. La sécurité dans les rues. Ce n'est pas normal pour que les étrangers viennent, ils investir dans le pays, nous. La portée de l'argent qui manquait, la portée de travail, et puis les bandits paraître là dévalisés, ou bien paraître prendre terre, dire qu'ils étaient mal achetés. Donc, la raison qui fait que nous là toujours, c'est parce que justement, nous n'avons pas travaillé sur ça assez. Déjà au 19e siècle, Hannibal Price t'a dit il faut que nous mettions sécurité dans le pays. Il faut que nous mettions justice, bon en justice, devant le tribunal. Pour que tout le monde ait le même droit, pour nous attirer étrangers, venir investir. Nous-mêmes, nous pensons à une nouvelle classe d'hommes d'affaires qui sont sortis dans la diaspora. Parce que dans la diaspora, nous pas invités assez, nous pas utilisés. Dans la diaspora, nous avons accès au savoir-faire, nous avons aspect au capital. Donc, pour moi, c'est l'idéal. Pour moi, aller à parler avec la diaspora, à l'inviter, puis au venir investir dans le pays pour nous capables d'avancer. Nous gagnons ressources minérales, ressources énergétiques, il faut nous capables d'exploiter. L'important pour que nous baillons le travail dans le pays, ça, parce que c'est ça qui manque, c'est ça qui fait que pas qu'il y ait une stabilité. À cette l'entropie, et tout le monde a besoin de manger là-dedans. Donc il faut que nous veillons. Donc clairement, il faut que nous ouvert pays, non. Mm-hmm. Permettre. Ouverture. C'est ça, l'ouverture. Nous, d'autres nous voulons pays pour investissement. C'est ça. Historiquement, nous avons un problème. Et en 1804, nous avons pris l'indépendance, nous sommes obligés de faire. Faire un pays pour que l'étranger ne prenne pas la main, non. Mm-hmm. 200 ans après, eh bien, il
faut nous innover, faut nous changer de position. Ça peut faire que nous à la hauteur. Nous sommes des hommes d'État, donc il faut que nous à la hauteur. Il faut que nous avancions avec le monde pour nous changer bagayo Haïti, pour nous profiter justement. Je dis à là, pour notre bien ou pour notre mal, selon certains, évidemment, nous pas qu'à parler de économie paysan sans que nous pas inclus la donne, sans que nous pas tenu compte, du moins, de programme Petro-Caribé. Arrivé au pouvoir, arrive au tout, l'argent Petro-Caribé a vers quel domaine on pourrait le canaliser et qui gens nous pourrait le faire pour nous rembourser l'argent ça au Venezuela parce que ce n'est pas un don. L'argent Petro-Caribé, hein, c'est l'argent que nous fait des arrangements justement et grâce à M. Chavez et M. Maduro a continué le programme ça. Mais nous pensons que les paris vont côté, les paris finis. Mais n'a pas les deux hypothèses côté que le capable de continuer. Eh bien, c'est très clair. Il faut que nous investissions dans l'agriculture. Non. Il faut que nous investissions dans la production nationale. Non. Pour que justement nous remembrions le pays. Pour investir dans l'infrastructure. Pour investir dans l'éducation. Donc, il faut que nous ayons des leaders qui sont responsables, qui prennent bon genre de décision pour changer les choses. Et modalité de remboursement, parce que la création du ZEP, ou encore de la ZEP, zone économique Petro-Caribé, côté que Haïti tabaye, denrées pour pétrole. Qui ont ouais, modalité ça? Est-ce que nous continuons dans la modalité ça? Est-ce que nous devons même commencer même alors? Production nationale, non, M. Alain, il est très faible déjà. Donc c'est peut-être ça, me dit l'agent ça. Eh bien, nous avons appris justement pour travailler sur la production nationale, pour travailler sur l'agriculture, pour nous faire l'élevage, pour nous faire la pêche, pour nous mettre l'infrastructure, pour nous travailler dans le tourisme, pour nous faire des choses. Parce que il faut que nous rangions pour que nous mettions un poids dans le pays. Ça. C'est ça que le peuple a demandé, c'est ça, peut-être ça, qu'il est obligé d'apprendre quand il peut aller, ou bien passer en bas fil, puis aller à la République dominicaine. Donc, il faut que nous travaillons 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Et c'est ça que nous allons faire nous-mêmes pour nous rebailler le pays et ce qu'on fait. Parce que l'important pour que les Haïtiens qui sont capables viennent prendre le pouvoir pour changer les choses en Haïti. Nous pas arrêter comme ça. Et c'est peut-être ça nous là l'encoustant. Ou de parler de que nous pas tellement connaît nous. Même quand le dire, les gens qui l'ont, ils ne pas voulu. Et ils prouvé qu'ils ne sont pas capables de faire. Il n'y a pas même l'élection faite même. Il y a besoin que tout le monde soit gâté parce que c'est ce qu'on s'est habitué. Il faut une nouvelle classe d'hommes. Je ne vais pas me suspendre répéter. Il faut une nouvelle classe d'hommes pour ce pays qui comprennent que nous devons aller vers le bien, vers le progrès, vers la prospérité. Et pour nous faire, il faut nous sérieux, il faut nous mettre tout ensemble. Il faut que chaque monde gagne. Fait partie du processus là, pour que chaque monde ait moi dit pour que nous ayons la paix sociale, pour nous avancer. Donc, nous-mêmes nous disons que nous sommes nègres de consensus, nous avons pile capacité. Nous pouvons mettre tout le bagage ça, nous très positifs. Nous pouvons mettre tout le bagage ça au service du pays nous, pour nous changer le bagage. Pour tout président de la République, toujours en période, ou du moins son temps de grâce, arrivé au pouvoir le 7 février, investiture, etc., etc., ou pour gagner 100 jours pour commencer la première action, yo. Les 100 jours de Harry Bretou au pouvoir, encore durant ces 100 jours, qui ça, haïtien approuvé très visiblement que vous mettez comme on touche nouvelle dans le pays. Ou l'autre perception, carrément. Nous parlons de l'autre qualité de classe. De on a la perception de l'État de ou... l'État, de président de la République. Là. Et on est responsable, on est qui a une vision, on est qui prend le travail pour le pays. Il ne prend pas le travail pour 10 amis, pour clic. Il prend le travail pour 10 millions haïtiens pour changer figure. On parle de 100 jours, on parle de perception. On parle de débat concret. Nous prenons le travail immédiatement pour nous baisser le prix. Produits première nécessité. Peuple en grand goût, il faut. Durant les 100 jours. C'est-à-dire que ça, immédiatement, immédiatement, nous prenons
nous prenons un projet de loi, nous baillons par le Mali, nous demandons au voter li immédiatement, nous demandons urgence, nous baissons prix produits première nécessité. Nous baissons prix matériaux de construction pour que le peuple soit capable de faire ce qu'il y a. Accès au logement. Accès au logement. Et troisième bagaille, nous prenons le travail en pile avec Mério, avec SMCRS, pour nous faire nettoyage des villes, villes nous sales, assainissement. Donc, il est important pour que justement, nous prenons un pile travail comme ça, dans les premiers 100 jours, eh bien, nous prenons le faire nettoyer ville, nous prenons le faire assainissement. Et nous prenons employer un pile monde avec travail ça. Nous prenons manger, nous prenons baisser prix matériaux. Et puis, nous parlons monter l'autre qualité monde qui l'a payé ça, monde qui parle mettre la paix, qui parle travailler ensemble avec l'autre monde, qui parle gagner jouer antagonisme, qui parle faire que Haïti tourne sous scène comme un pays digne et fier, au pays côté que ou même ou pas honte pour le que ou dire ça haïtien, et pour que même côté à son réflexion négative ou bien que mon n'a gardé avec un peu pitié ou bien mais il pensait que dedans. Avec dédain. Mm-hmm. Donc, c'est parce que ça pour nous changer. Et pour nous faire, il faut nous travailler. Il faut nous travailler avec nous-mêmes pour nous faire bagaille. Le temps passe vite. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Harry Grotou, merci d'avoir été avec nous. Merci. Si vous permettez-moi d'un dernier message, moi, je crois que je dis à la Haïti besoin ou l'autre leader. Ou leader, avec un pile vision, ou grande vision d'unité pour quoi Moïse, au temps de la Bible, pour lui mener le peuple là, vers la prospérité, vers la terre promise. On est qui a une détermination, qui a un pile courage. Je pense que c'est mon ça. Je vais venir travailler pour payer moi, pour me changer les choses. Et je crois que tout haïtien, haïtienne, peut être fier que. Il y a Harry Brotou qui passe, qui travaille, pas pour tête, pas pour famille, mais pour le pays d'Haïti et pour tout Haïtien. Donc, merci. Et je vous demande pour vous sortir à voter le 25 octobre là, pour que nous fassions de jour ça, un jour de changement que nous demandons. Et c'est là pour commencer. Donc, et nous prenons espoir. Et nous mettons courage avec nous. Et nous prions, bon Dieu. Pour nous gagner lumière pour le pays d'Haïti. Donc, c'est ça. Voilà, vous étiez sur Métropole. Hein? Le message merci. Est passé. Vous avez atteint un large public, un grand lectorat, hein? Sachez-le. Merci, vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était Harry Brotou, ou encore Joseph Harry Brotou, candidat à la présidence, oui, du parti COPA, Combit pour Haïti. Et le numéro, c'est le 26. Voilà. Merci, Monsieur Brotou. Merci d'avoir été avec nous. Restez donc branchés sur Métropole pour la suite de la programmation. Vous ne serez pas mieux ailleurs. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.